boivent. Bienvenue, bienvenue, on est de retour dans la survie. Nous sommes de retour. Ouh, 31 kilos, ça va. Donc nous sommes chez nous. Nous sommes retournés chez nous, il fait jour, il fait sombre. Il fait très sombre. Mais on est de retour. Donc, dans cet épisode, donc on va continuer à remettre un peu d'ordre, en fait. Je sais qu'on avait laissé pas mal de trucs par terre, je sais plus trop où. Ah, je crois que j'ai trouvé. Donc on va essayer de mettre un peu d'ordre. Déjà, je vois rien. Je vois que dalle. Un peu de café ici. Pour faire genre on travaille. Voilà, on travaille avec plein de café. Voilà, très bien, c'est joli comme ça. Aujourd'hui, on va se balader. On va essayer d'aller récupérer un élan. C'est vraiment ce qui nous manque le plus. Alors, j'avais une idée en tête. Si jamais on trouve pas l'élan, genre rapidement et tout ça, peut-être que je couperai et que j'irai le chercher moi-même. Et puis après, je ferai la pause et tout ça, les jours qui passent. Moi qui craft la cape et tout ça. Donc j'ai pensé à ça. Si jamais on trouve pas d'élan aujourd'hui. Ah oui, on devait trouver un autre notre arc aussi. 100%. C'est le 0. Je suis sûr qu'on en avait laissé un pas loin. Non ? Ah ah ! Ah voilà ! C'est bon. Je l'avais recouvert en fait. Donc du coup on va poser celui-là. Et on le reprendra quand l'autre sera bientôt cassé. Oh putain, où est-ce qu'on va le mettre ? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. J'arrive pas à le poser, j'arrive pas à le poser. Non, c'est bon. Je suis sûr. On n'a rien vu, ok? On n'a rien vu. Donc, point de vue équipement, on va poser l'hameçon qu'on a. Et je voudrais aussi peut-être pêcher un peu avant de partir. Avant qu'on aille à Milton. Alors après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'apprendre à pêcher avant de partir à Milton? Eh ben non, parce que Milton, il n'y a pas de... Voilà quoi, il n'y a pas à pêcher à Milton. Ça sert à rien, mais bon. Juste histoire de... Vous voyez ce que je veux dire? Bah, très bien. On va poser ça là. J'ai plus de place. Ah, on a de moins en moins de place. Après, ça c'est livre, ce sont des nouveaux livres, on est d'accord. Ils sont tous nouveaux. Prendre celui-là du fusil. Il y en a d'autres. Fabrication de munitions. On va prendre la fabrication de munitions. Toi, t'es presque fini. On va prendre la fabrication de munitions. Comme ça, si jamais par miracle on trouve des douilles, on pourra faire des bonnes balles dès le début. Ce sera cool. Voilà. Donc, il y a un livre où il reste qu'une heure et l'autre 5. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Voilà, on est à 30 kilos, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est parti, on sort. On va peut-être prendre un peu d'eau. Et on va faire le tour du propriétaire, du coup. On va faire le tour un peu de notre endroit. On va se balader, on va récupérer du bois, on va... Enfin voilà, comme d'habitude, quoi. Et on va chercher l'élan. Voilà, on va chercher s'il y a un élan ou pas. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Ah, très bien. Donc, j'avais dit que peut-être on allait dans la forêt de ce côté-là. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. On n'a que 8 flèches. Ah oui, on pourrait peut-être faire des flèches. Quoi qu'on en a... Non, on peut pas vraiment faire de flèches. On va passer par là et on va couper. Ou alors on passe par à droite. Je sais pas. On va passer par la gauche.
Ou alors en plein milieu. En plein milieu. On n'est jamais passé en plein milieu comme ça. Allez, on va voir. Bon, il fait un peu froid. Un peu sprinté. Après, il fait pas assez jour pour... Il fait pas assez soleil pour... pour faire un feu, donc... Donc on va pas pouvoir vraiment se faire des pauses. Donc on va se balader, puis après... On va se balader, on va aller jusque... à la cabane du trappeur, vous voyez. Et on se réchauffera là-bas. Ça sera pas mal. Alors... Il nous faut un élan. Alors j'ai une petite idée où on pourra en trouver un, c'est pour ça, donc... on va aller à l'endroit auquel je pense. Et puis, si jamais il n'y a personne... ouais. Si jamais il n'y a personne, je sais pas trop quoi faire. Ok, de ce côté, il y a des loups. Mais ouais, sinon notre tour, hein, là-bas, c'était bien, hein, notre expédition. Ah, c'est vraiment, vraiment bien passé. On est revenu à la maison encore plus puissant, encore plus fort, plus résistant. Donc, vraiment très content de ce côté-là. Là, on a bien bossé. Il m'a fait peur, ce con. Oh la vache. Oh, je m'y attendais pas du tout. Putain. Ah, mon cœur. Oh, sérieux. Oh. Oh la vache. Je m'y attendais pas du tout. On va pas les chasser, on va pas les tuer. De toute façon, ça sert à rien. On a de la viande. On n'a pas besoin de la peau. L'arc, il est au maximum. On est niveau 5. Cuisson, on est au niveau 5. Dépeçage, on est au niveau 5. Donc, tout ça, ça sert à rien. La peur qui m'a mis, quoi. Oh, mon dieu. Alors, je crois que je me suis un tout petit peu perdu. Ça fait longtemps en fait qu'on n'est pas allé là. Alors, je dirais que la cabane elle est plus vers là-bas. On va aller se réchauffer à la cabane parce que sinon on va trop perdre de vue. La cabane du trappeur. Et là-bas, c'est le lac, je crois. Oui, 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 je crois que c'est ça. La cabane, elle est là-bas. Le lac, il est de ce côté-là. Donc on va un peu se bouger les fesses. Ah, il nous course bien, lui. Par contre, j'aime pas monter là. On n'est pas en surpoids rien, donc ça devrait passer, mais bon. Voilà, d'accord, c'est très bien. Très bien. Bien joué. Très bien joué. C'est des lapins. Il y a des petits lapins.
Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, je vois rien. Il va peut-être attaquer les lapins, ce con. Ah, c'est bon, on est bon. On est bon, et on a de la viande en plus. Alors, un peu de bois même, un peu d'eau. Très bien. Donc, on va dormir. Tout ça pour passer... C'est 2 heures ou 4 heures, je ne me rappelle plus. C'est 2 heures, je crois, et pour la douleur, c'est 4, c'est ça? Non, c'est 4. Mais il faudrait ce banc... Faut utiliser le bandage. Est-ce qu'on le fait ou pas? Ouais, pourquoi? On va dormir 1 heure. Je sais pas, si on dort 2 heures, ça fait quand même beaucoup de pertes, en fait. Je suis en train de me dire. 1 heure pour se remettre à fond dans le réchauffement, ok, c'est bon, mais... Genre dormir 4 heures après, c'est autre chose. On va voir un peu le bois. Ouais, on va utiliser le bandage. Surtout que l'autre, il doit y être. Il doit pas être loin. C'est une attelle qu'il faudrait faire. C'est pas un bandage, hein, au passage. C'est bon. On aurait pu dormir aussi. Non, on aurait pu lire, pardon. On aurait pu lire. Fait moins froid, mais il neige. Fait un tout petit peu moins froid, mais il neige. Je crois qu'on va pouvoir, on va rester la nuit là. De toute façon, on a à manger. On a de l'eau. On va continuer à récupérer du bois. Après, je suis en train de me dire, si jamais on trouve un loup, un ours, pardon, qu'est-ce qu'on en fait de l'ours? Est-ce qu'on le chasse? Je dirais que c'est toujours utile. Ah, bizarre. Ah merde. Ah, quand on est protégé du vent, ça va, il fait pas très froid. Mais... Ouais, quand on n'est pas protégé du vent, c'est une autre histoire. Bon, ben on rentre. Bon, ben c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver notre élan. C'est pas aujourd'hui. On rentre. Eh ben. Alors moi je pensais... Voilà, donc nous on est là pour le moment. Ouais, moi je pensais ici. Genre aller à cette cabane là, donc on pourrait faire ligne droite quand il fera meilleur, ligne droite, et on va à cette cabane et on peut même dormir là-bas, voir s'il y a des trucs intéressants. Mais c'est vrai que c'est là où on avait trouvé notre premier élan, je crois, là-bas. Je crois bien, je suis plus trop sûr. On va lire.
J'ai eu un commentaire sur genre une vidéo de la saison 4 aujourd'hui. Ça m'a fait un peu rire sur le coup. C'était une personne qui me disait directement que les gens, vous savez, ça, sur internet, ils savent pas dire bonjour ou salut ou quoi que ce soit. Et la personne me dit direct « Ah, tu sais que tu peux accélérer le temps de cuisson ?» Waouh. Alors je sais pas d'où il a eu cette idée que je ne le savais pas apparemment. Okay, on est bientôt au niveau. Enfin on passe bientôt au niveau 2. Je sais pas où il a eu cette idée que je ne le savais pas. Je sais vraiment pas du tout. Mais ouais, j'ai eu ce message. C'est étonnant parce que. Enfin c'est étonnant, non, maintenant honnêtement je commence à être habitué. C'est que les gens sur internet, la plupart du temps, s'ils regardent des vidéos et tout ça, si jamais vous dites pas tout ce que vous savez, genre vous pouvez faire ça, ça et ça et ça et ça. Et parce que si vous le faites pas, déjà la personne va croire que vous le savez pas. Et si jamais vous en parlez pas, la personne va vraiment croire que vous savez pas en fait. Donc du coup elle va vous le dire directement. Les gens apparemment n'aiment pas regarder les autres personnes jouer différemment ou des choses comme ça. C'est ça qui me fait rire. Enfin, j'ai remarqué ça depuis pas mal d'années sur YouTube. Genre il faut toujours tout dire, tout ce qu'on peut faire. Ou alors il faut le faire. Mais si vous le faites, il faut le dire. C'est très important, parce que sinon la personne va juste vous le dire. Même si c'est inutile, hein, même si c'est genre c'est inutile de me dire est-ce que tu sais que tu peux accélérer le temps. C'est juste inutile, mais et surtout que je... Enfin c'est pas un truc caché, hein, quand vous faites cuire les choses et tout ça, on peut accélérer le temps. C'est écrit dessus. Hein. Oh, le temps s'améliore pas par contre. C'est écrit dessus, hein, donc c'est pas vraiment quelque chose de caché. Hein, mais j'ai pas dû le faire, donc la personne elle s'est dit bah tiens, on va lui dire. Mais après bon, comme d'habitude, hein, y a les façons de dire les choses. Donc déjà, un petit salut, bonjour, et peut-être genre formuler la phrase du genre... Ah au fait, si tu savais pas, tu sais que tu peux accélérer le temps de cuisson. Et là, j'aurais répondu, ah bah oui, je sais, merci beaucoup. Mais voilà, mais, au lieu de me dire directement, ah tu sais que tu peux accélérer le temps de cuisson. Oh mon dieu, les gens. Les gens, c'est des goujats. Mais t'es sérieux le temps? Ça va faire au moins 5 heures qu'on est à l'intérieur, là qu'on bouge pas. Je vais finir le livre, quoi. Super, trop bien. Ah oui, aussi, j'ai toujours dit que les livres en intrus, ça servait à rien. Ça sert toujours à rien, honnêtement. Mais là, vu qu'on a... On a énormément de viande, parce qu'on peut tout manger, donc on n'a pas de crainte, en fait, par rapport à ça. On peut juste simplement trouver des loups. Il y en a partout, des loups. Donc du coup, c'est vrai que passer du temps, genre, entre parenthèses, perdre du temps à lire... Bah c'est plus vraiment grave en mode intrus, donc vous pouvez le faire. C'est comme ça, c'est sympa. Bah c'est une façon de voir les choses pour moi, je trouve. De pouvoir maintenant lire sans vraiment grosses répercussions, parce qu'on a tout qui est disponible. Mais là du coup ça m'embête parce que qu'est-ce qu'on fait? On sort la nuit? Ah j'aime pas sortir la nuit. Surtout qu'il va faire encore froid, je suis sûr. Je suis sûr qu'il va faire encore froid. Mais voilà. Désolé, il n'y a pas grand chose qui se passe, donc j'essaye de faire la causette. J'essaye de trouver des sujets. Mais si jamais on trouve pas après cet épisode, on trouve pas l'élan, je crois que... On fera une pause. Allez, on sort. Alors attends, parce qu'il y avait ça. 1%. 1%, on peut le manger. Ça c'est 0. Ça c'est 0. 1%, on peut le manger normalement. Bon, j'ai rien dit. Bon, il fait pas froid. Il fait pas trop froid. Bon, le problème, c'est qu'on voit strictement rien.
Ouais, honnêtement, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Bah, le... La bonne chose, c'est que... Il fait pas très froid. Donc j'ai envie de progresser. Et de chercher l'élan. S'il y en a un. Mais le problème, c'est que... On va peut-être pas le voir, l'élan. Et il va peut-être nous faire une surprise, nous foncer dessus. Ok, faut que je me concentre là pour voir des choses. Je vois rien au loin. Ça va être... Donc on va passer le lac. On passe le lac. Et on va à la maison qui est en face. Chut, arrête de faire du bruit. Parce que là, si j'ai pas mes oreilles... C'est la mort là. Non, 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 pas devant. On a une grosse tempête qui a duré au moins 10 heures. On devrait pas en avoir d'autres. Putain, c'est un lapin. C'est bon, on y est. Alors attendez. J'essaye de voir si je distingue des choses grosses qui bougent. Il y a un loup là. Ah, ça y est, il arrive sur moi. Y'a pas qu'un loup. Y'a un ours aussi. Fait chier, c'est pas l'ours qu'on cherchait. L'ours a eu peur. Le loup a eu peur. Ah non. Il a attaqué un lapin. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec cet ours? J'arrête pas de lui tirer. J'aurais vraiment pas dû tirer, c'était con. Je sais pas où on va. J'ai vu un loup à droite. Oh là là, bon, on rentre. On rentre, on rentre. On attend que la journée se lève. Enfin, c'est même pas que la journée se lève, on attend qu'il fasse un meilleur temps, parce que là c'est débile. Là, je vois strictement rien.
l'a bien mis dans la tête, la flèche. Je crois que le lot qu'on a vu, là, le dernier lot qui était sur notre droite, il a eu peur de l'ours, parce qu'il était en train de courir dans ce sens-là, donc je crois qu'il a effrayé le loup. Mon dieu, on voit strictement rien, c'est une catastrophe. Où est-ce que je suis? Ah non, c'est par là-bas. On va encore se péter une cheville. Ça va, on en a plusieurs. Allez, on parie. Alors attention pour le... pour le jumpscare. Voilà, ça, ça fait un. On torse au poignet, pardon. Pas la cheville, le poignet. Donc on peut sprinter encore. À chaque fois qu'on passe par là, on se pète un truc. À chaque fois. Là, je peux plus utiliser l'arc. Bon, il faut voir si on trouve le... voir si on trouve l'ours demain. Ah, c'est embêtant. J'ai vraiment l'impression de perdre du temps. Pour rien. Non, pleine forme en plus. On a plus de viande aussi. Non mais ça, c'est bien, c'est bien. Là, on s'amuse. Là. Wow, c'est super fun. C'est super fun. Là, je suis au top, top, top du fun. Je vois pas pourquoi je lui ai tiré dessus aussi. C'était vraiment con de ma part. Bon. Déjà, on a un teint un peu mieux. Mais... ah, il est là. Bon bah, ça c'est bien. Bon. La chance revient un peu légèrement. Alors par contre, où est-ce qu'on va se mettre? Attends, reviens. Vous croyez que c'est lui ou pas? Ou c'en est un autre, ça? Monte. Allez, monte! Sur l'arbre alors? Ok. Non, on va pas le faire. Attends, 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 si tu reviens... Non. Je me demande si c'est le même, en fait. Bon, il est passé par là, faut récupérer les traces, là. Je me demande si c'est le même. Il a bien cavalé, du coup, depuis la première flèche. Je vois pas ses marques. Ah, ça y est. Trace de sang. Je veux pas me casser la jambe aussi non plus. Ok, là. Faut aussi penser à regarder devant nous.
Ah là 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 là! Qu'est-ce que c'est relou! Qu'est-ce que c'est relou! Encore heureux qu'on a plein de. De tissus, hein! Ça m'étonnerait que ça soit le même, honnêtement. Ah, je crois que je l'ai entendu. Non. J'ai perdu les traces. What? Ah, ça y en a froid. Oh mon dieu! Ah mais il est là! Ok, une flèche. Du coup, on en a combien là? 8. 7. C'est pas le même, hein, on est d'accord. Hein. Je crois pas que ça soit le même. Bon, bah, du coup. On est d'accord, hein, je crois pas que c'est. On va allumer ça. Je pense pas que ça soit le même. Je sais qu'avec 95% de chance, on a quand même très peu de chance de louper, mais bon, quand même. Je pense que ça, c'est un autre parce qu'on a récupéré qu'une flèche. Okay, très bien. Déposer ça. Bon, très bien. On va prendre un steak et on va le faire cuire. Voire même deux. Et après on prend la. On prend la peau. Et vous savez que si vous faites ça, vous cliquez, vous faites espace, il y a écrit temps de cuisson, ça va faire avancer automatiquement le temps. Vous le saviez ou pas? Je vous le dis comme ça, juste au cas où, si vous ne saviez pas. Alors, on peut faire ça. Voilà, on prend la fourrure. Je vous le dis juste au cas où, parce qu'on sait jamais, les gens peut-être qui savent pas. Très bien. Voilà, on est bien. 1125 de calories, s'il te plaît. C'est pas mal, hein? Très bien, on va faire ça aussi. Ah, c'est bon, il fait jour. Il y a du reishi juste à côté. Ah, mais on a dû le récupérer. On a dû le récupérer. Ah oui, il faudrait qu'on refasse des tissus aussi. Qu'on refasse des bandages.
Parce que les bandages vont un peu vite quand on est comme ça. Toujours avoir du bandage quand on est en chasse. Parce qu'on peut pas se permettre d'avoir une jambe cassée ou un truc comme ça. On va arrêter de boire, on boira le thé quand on partira. Je suis en train de me dire, on va prendre des morceaux de viande, on va les rentrer à la maison. Après, il y a les... Il reste quoi encore? 1h40. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a les boyaux qu'on peut prendre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous? Ça m'embête un peu hein, de rentrer quand même. Ça m'embête bien. Hein, monsieur l'ours? T'en penses quoi? Bah ouais, bah moi j'en sais rien. Nous on est là. Là on n'est pas loin. On devrait rentrer. On devrait tout simplement rentrer. On va prendre le plus possible. Et on se casse. Ça y est, il y a du vent. Bon, c'est parfait. C'est parfait, on rentre. C'est quoi ça? Une torche? Un truc noir là. Ah non, c'est un feu. Bon ben... Résultat des courses, on a une nouvelle peau de... d'ours. Bon. C'est bien. On peut aller récupérer aussi plein de viande. On n'en a pas vraiment besoin parce qu'on en a déjà plein à la maison. Donc ça sert à rien d'en accumuler 30 000 kilos aussi non plus. On n'a pas trouvé d'élan et il y a sûrement encore un ours qui traîne. Parce que celui-là, c'est pas le bon. Je suis sûr. À moins qu'il ait perdu la flèche en courant pendant les heures qui sont passées. Mais je serais très très surpris que ça soit le cas. Je serais très surpris de ça. Donc on va se balader de ce côté-là du coup, directement. On va attendre qu'il fasse un peu meilleur. Que je regarde la viande que j'ai récupérée là. Est-ce que ça allait à zéro ou pas? Non, normalement non. Ah oui. On a de la viande à manger. On peut s'en servir pour appât peut-être. C'est quoi cette viande? Attends. C'est quoi cette viande là toute pourrie là? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux là. Non mais. Alors. Boyau. Et la peau.
Très bien, donc on a trois grandes peaux d'ours noir qui va pas vraiment nous servir à grand chose, mais bon, on les a. On les a, c'est le principal. Pour le bois, on n'a plus trop de bois. Les livres, on va les déposer aussi. On va prendre d'autres livres. Est-ce qu'on a encore des livres pour... La pêche, on les a lus. Hein. Je crois que c'est le premier qu'on a lu. Même. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Celui-là. Très bien. Du coup, nous faudrait deux flèches. On va en prendre deux. Voilà. Comme ça, on en a 10 en tout, c'est pas mal. On pourrait passer notre temps. On pourrait faire des fûts de flèches. On fait comment les fûts de flèches? C'est le boulot. Boulot, c'est ça. Sécher, sécher, ouais. Ouais. Voilà, on va le ranger. Voilà, on a fût de flèche, on a 14 et 14, très bien. Très très bien, les plumes on en a pas assez par contre. Ça c'est bien, on est bon en poids, ouais on ressort, hein. On repart. Hein. On va repartir. On va repartir, c'est parti. Alors cette fois, on va directement aller à la cabane. Ou alors, on peut retourner à l'ours et... Honnêtement, on peut retourner à l'ours aussi. Hein, mais... ouais, non, par contre, il fait quand même très froid. Ah, il y a des loups sur la glace. On aurait dû peut-être prendre du bois. Peut-être de l'eau en plus aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Quoi, le bois ? On a le vent aussi qui souffle dans le mauvais sens. Ouais, on va rentrer. On va rentrer. On va rentrer. J'aime pas trop le... J'aime pas trop ça. Il fait quand même très froid. Et surtout, c'est qu'il y a du vent... On va lutter pour avancer, ça va nous faire perdre du temps et tout, c'est relou. Après, si on peut se protéger, regardez, vous voyez, c'est beaucoup mieux, hein, mais... Mais ouais, on va pas le faire. Je crois qu'on a plus vraiment de bois à récupérer à l'intérieur de la maison. Ah, c'est embêtant le coup de l'élan. C'est vraiment très très embêtant. Alors je voulais qu'on... C'est 3. Je voulais lire, mais à la limite, autant faire une flèche. Autant faire une flèche tout simplement. De merde, ça fait plaisir.
plutôt sympa. Ah, temps s'améliorer. On va déposer nos flèches. 100%. Jeter deux. Si on avait un emplacement pour mettre nos flèches, ça serait vraiment bien. Il nous faudrait des... On avait une boîte rouge. Je suis en train de me demander. Les outils simples là, parce que là je vois que des bleus. On n'avait pas de boîte rouge? J'étais quasiment sûr qu'on en avait une de rouge. Oh, ça fait chier. Je dois m'en apercevoir maintenant. Parce que du coup on aurait pris celle-là qu'on a récupérée. Enfin c'est pas grave. Hein, mais j'étais sûr qu'on avait une rouge. Ouh, il fait beau. Let's go. Elle est fatiguée, c'est chiant. Regardez-moi ça. Il fait même pas froid, rien. Oh, c'est parfait. On pourrait aller à l'ours et récupérer tout ce qu'on veut. Mais bon, on va pas le faire parce que sinon c'est pas drôle. Sinon c'est... on va se faire chier à faire ça. Ah, c'est un peu bizarre parce que c'est en fin de journée. C'est très très rare hein, que ça fasse ça en fin de journée. Quoique non, quoique c'est pas fin de journée, c'est milieu d'après-midi. Non, non, c'est bon, alors c'est normal. J'ai mal jugé le soleil. Alors, lapin... Faudrait qu'on récupère des barbes de Jupiter aussi, vite fait. On va récupérer celle-là devant. On va passer par le chemin là en face et après on va faire comme ça tout droit là. Hop. Enfin on va passer par la droite, pas tout droit. Ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'il y a eu un... pas mal de tempêtes et de vent, il y a pas mal de petits bois partout. Donc ça rend les feux en fait facile à faire en extérieur quand on se balade. Et on n'a pas très froid donc du coup on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de bois à chaque fois. Bon, par contre on va faire attention à la montée. J'aimerais bien qu'il y ait un moyen de la prendre, genre les montées ou les descentes, un moyen qu'il y ait de les prendre, genre de... Putain, il m'a fait peur ce con. Genre de face. Est-ce qu'on peut passer par là? Genre si on les prend de face, il n'y a pas de... Voilà. Si on les prend de face, il n'y a pas de... Le risque de se casser une cheville ou quoi que ce soit. Attendez, on va faire ça quand même. Parce que j'avoue que c'est quand même très 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 handicapant ce truc. Ce système qu'ils ont rajouté. C'est quand même extrêmement handicapant. Et des fois je le trouve un peu débile même ce système. De se casser une cheville ou un poignet. Après, que ça le fasse quand vous êtes surchargé et que vous montez une... Bah une montée ou alors descendez une pente, quoi. Là, oui. Là, je dis ok. Mais si c'est pour le faire genre tout le temps, c'est... C'est un peu con. Honnêtement, c'est un peu con. Je trouve pas ça vraiment très intéressant. On va aller là-bas, il y a des corbeaux. Je trouve pas ça vraiment super intéressant comme système. Après, je sais que c'est pour éviter d'exploiter... Enfin, j'imagine. Je l'ai toujours dit, mais je suis pas sûr, en fait. J'ai jamais vu les développeurs... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Ah oui, ça les fatiguait. J'ai jamais vu les développeurs dire ça. Ah, mais c'est là-haut. Ouais, non, on s'en fout. On va pas monter. Mais j'imagine que c'est pour éviter l'exploitation de ce que je fais, en fait, la plupart du temps. Genre descendre les pentes et tout ça. C'est pour qu'il y ait un peu une conséquence, en fait.
Voilà, il y a une conséquence à ce que vous faites. Je suis d'accord, mais c'est trop souvent en fait. Le problème c'est que c'est trop souvent. Par contre, attendez, je crois que je me suis gouré. Tour de transmission. Oui, nous, moi je suis en train de regarder là. Donc il faut aller sur la gauche. Oh la vache. On n'a pas froid en plus. On n'a pas froid, mais elle est fatiguée, cette bécasse. Là, on a là. Et là, apparemment. Je suis sûr qu'on va tomber sur un ours. On parie qu'on tombe sur un ours. Ça, c'est un cadavre humain, mais ça, on était déjà allé. Juste pour être sûr. Pour être complètement sûr. Non! J'étais quasiment sûr qu'on était déjà allé là. Il y a un autre cadavre. Mais on était déjà passé par là en plus, non? Ah, vu qu'il n'y avait peut-être pas les corbeaux. La première fois, donc du coup, j'ai pas fait attention. C'est possible. C'est fort possible. Bon bah niveau flèche, niveau plume, c'est bien. C'est quoi ça? C'est un cerf. Que je me trompe pas. On va dessiner, je crois. Pas trop sûr du chemin. Alors, le cerf est là, on est là. Donc il faut aller par là. Donc c'est bien de ce côté-là. Et bien sûr, le vent se lève. Oh, regardez le bois là. Il est abîmé. Je crois qu'on est sur une piste. Par contre, elle est fatiguée, elle peut pas trop porter, donc on va peut-être arrêter de prendre du bois. Je l'entends. Il faut avoir des bonnes oreilles dans le jeu des fois. On va aller dormir dans la maison et après on va le chasser. Non, il doit être là-bas. C'était... Saloperie.
Ah, on est tombé. C'est ça que je regarde d'abord, en premier. On a encore une entorse. C'est pas possible, ce jeu. Elle est où, la cabane? Faut que j'aille vérifier les vêtements et tout ça. La cabane est par là, je crois. Je l'ai entendu encore. Ok, la cabane est là. Ferme ta bouche, Ellie. Ferme ta bouche. Avec tous ces arbres, il peut être derrière un arbre en fait. C'est bon, il est là. Non? Non, non, c'est un arbre. Il est là. Ok, cool. On l'entend méga loin. Vous avez pas une impression de déjà vu? Vous avez pas une grosse impression de déjà vu? C'est moins un peu, moins un tout petit peu. Je sais pas vous, hein, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu une impression de déjà vu. putain. Bon, fais voir un peu. Fais voir les vêtements. On a eu quelques déchirures, on peut voir qu'on a perdu quelques pourcentages sur certaines choses, mais rien de très méchant. Rien de très très méchant. On a combien de tissus sur nous? On va pas les utiliser pour le raccommodage. Ça, on va se faire ça. On dorme. Ça va, John? Toujours là? On peut faire ça au couteau, mais j'ai pas envie. 6 tissus, c'est pas mal hein, pour 2 heures. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est. Ouais. 6 tissus pour 2 heures. Comme ça, on essaye de dormir le plus possible dans la nuit. Ah, je sais qu'elle est crevée. Allez, on dort le plus possible. À 10 h. On va se réveiller, elle va être encore fatiguée, je pense, donc on peut encore dormir un peu plus. Ah, très bien. Ah, c'est bien d'avoir des gros steaks comme ça de 1000 calories. Bon, par contre, on n'a plus rien, donc il va falloir... il va falloir défoncer l'élan. L'élan, voilà, c'est ça. C'est défoncer l'élan et récupérer de la nourriture. Donc on va faire une chose qui n'est pas vraiment coutume. Je vais raccourcir l'aventure pour trouver l'élan parce que ça m'a pris 6 heures pour pouvoir le retrouver. C'était une catastrophe, il voulait pas revenir et donc ça m'a pris 6 heures. Entre temps, j'ai récupéré plusieurs flèches que j'avais tirées sur différents ours, car oui, on avait bien chassé 2 ours. Mais voilà, nous avons enfin l'élan, nous avons récupéré de la nourriture et nous avons récupéré la peau. Donc maintenant, nous allons faire une sorte de grosse ellipse, une grosse pause pour crafter tout ce qu'il nous faut. Et après, nous repartirons pour l'aventure et ce sera 1000 tonnes. J'espère que vous aurez aimé l'épisode, merci encore d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao ciao.